Mes chers compatriotes, amis de la Russie partout dans le monde, nous vous avons récemment annoncé qu'aucun soldat ukrainien ou de l'OTAN qui a osé piétiner sur le sol russe ne sortira vivant. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour réaffirmer notre détermination face aux menaces qui pèsent sur notre nation. La Russie est une terre de courage et de résilience. Tout au long de notre histoire, nous avons fait face à des défis redoutables et à chaque fois, nous avons su nous lever avec force et unité. Nous sommes les héritiers d'une grande tradition de défense de notre patrie et nous n'accepterons jamais l'ingérence étrangère. Nous vivons des temps tumultueux. Les tensions géopolitiques s'intensifient et nos ennemis cherchent à affaiblir notre unité. Mais je vous le dis, nous ne plierons pas. Chaque geste d'agression sera rencontré par une réponse résolue. Notre armée, forte et déterminée, est prête à défendre notre terre, notre culture et notre mode de vie. Nous avons toujours prôné la paix, mais cette paix repose sur une force indéfectible. Nous nous engageons à protéger notre souveraineté et chaque soldat, chaque citoyen doit être conscient de notre responsabilité collective. Il est essentiel que nous restions vigilants et solidaires, car c'est ensemble que nous triompherons. Les efforts de l'OTAN et de ses alliés ne nous effraient pas. Au contraire, ils renforcent notre volonté de défendre ce qui nous est cher. Nous avons l'histoire, la culture et la détermination de notre côté. Soyons fiers de qui nous sommes et de ce que nous représentons. Je fais appel à chacun d'entre vous pour rester unis dans ces moments difficiles. Soutenons nos forces armées et honorons le sacrifice de ceux qui se battent pour notre sécurité. Ensemble, nous bâtirons un avenir où la paix et la dignité prévalent sur notre terre. La Russie est forte et ensemble, nous surmonterons tous les obstacles.